Et Yamina, c'est Dridri, et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Mario Odyssey. Oui, sous son costume de chef, hein, chef cuistot, Mario et Chebèche. Nous sommes donc dans le monde de Bowser. Alors, j'espère qu'il va pas me décevoir, parce que clairement, il est magnifique, hein. Ok. Ouais, il est magnifique à souhait. Alors, attendez, s'il y a des Goombas, est-ce que ça sert à quelque chose? Juste pour savoir. Ouais, là, il faut des Goombas. Combien? 10. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Oh putain, je sais même pas comment ils font pour tenir tous. C'est horrible. Nickel. Et on récupère nos vies logiquement. Donc c'est bon. Donc tout est bon. Allez, let's go. Ok, donc pour piquer, c'est... Ok. Ok. Bon, là il y a des pièces, donc est-ce qu'on y va? Ben ouais, allez go. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Bon, des pièces, ça c'est sûr. Et si on peut acheter un nouveau costume, ce serait cool, moi je dis. Donc on va y aller comme ça. Ça va vraiment trop stylé. S'amuser. Franchement, sincèrement, je suis en surkiff de ouf. Je suis en surkiff. Franchement, je suis en surkiff sur le monde. La musique, l'ambiance est énorme. Je suis en kiff avec ce monde. Voilà, dégage. Ah bah, ça nous a donné une lune en plus. C'est nickel, ça. Wouhou ! Félicitations du château de Bowser. Allez, et un de plus. Une lune de plus. Et là, il n'y a même pas marqué le nombre de lunes qu'il faut. Ce qui est très bizarre. Donc on s'est infiltré. Stratégie explosive. Ok. Excusez-moi, j'ai un truc coincé dans la gorge.
C'est moi ou il y a un petit trou là-bas? Ah non, je croyais. Ouais, en fait, il n'y a rien de spécial. Ok. Pas de soucis, ma biche. Ah, faut mettre en face, on va se mettre en face. Voilà. Ok. Allez. Ah, je suis pas devant. Voilà. Ok, on peut pas aller dedans. Merde. Ah, saloperie. Ah bah la dernière est là-bas. J'ai pas vu. Ah, dégage, dégage, dégage. Ouais, peut-être pas le prendre lui parce qu'il a le feu au cul. Pas envie de me faire tuer derrière. Pas envie de me faire tuer, non, j'avoue. Mais non, mais j'ai visé dans la bonne direction. J'ai visé dans la direction de... du piaf. Mais il a pas voulu. Bizarre. Allez, go. Donc, stratégie explosive terminée. Bon, déjà, ça c'est bon. Ouvre-toi, château. Enfin, c'est quoi le prochain maintenant? Le Baloud des Boudal. C'est vrai qu'il reste deux Broudal. Il y en a deux qu'on n'a pas encore revaincu. J'avoue qu'il y en a deux qu'on n'a pas encore vaincu. Ce
qui est très bizarre. Ok. D'accord. On est là, il faut en remettre une. Fallait s'en douter. Ce qui était logique. En alignant les gisos. Gisos. Ok, là il n'y a rien. Ok. Là, il faut être déguisé en samouraï. Et j'ai pas récolté assez de conneries. Ah, je suis dégoûté. Même là, il y a des humains. Ah ouais, j'ai pas assez, fiché, j'ai juste assez pour le chapeau. Et ça suffit pas, le chapeau. Il me faudrait 15. Si j'arrive à revenir en arrière, au pire, c'est cool. Regardez, là, j'en vois ici. Attends, faut que j'aille chercher le piou-piou. Attendez, j'en ai vu. Ouais, j'en ai vu là. Mais comment on y va? C'est-à-dire on peut pas monter ici. La 11. Là, on dirait qu'il y a une lune là-bas. C'est trop bizarre. Là, il y en a 3. Ça me fera 14. Ah, il m'en manquera un. Ah, purée, juste un. C'est dégueulasse tout ça. Ah, je l'ai vu. Il me faudrait un piou-piou. À moins que... Ouais, à moins que... Alors, à moins que je fais le taré, je vais chercher celui-là, et ça me revient au point de sauvegarde et j'en aurai 15. Non. J'ai mal visé. Mais oui, ça me remet 14 ici. Oh, mais t'as... Oh putain, y en a là.
Y'en a là, y'en a là, y'en a là. Il me faut juste un piou-piou. Ouais, je m'en fous de mourir, j'en ai 16. C'est bon, c'est pas grave. Je voulais juste récupérer les 15. Pour me changer un peu de look. J'ai envie de changer de look. Ça m'énerve d'avoir le même. Enfin, j'aime bien changer par rapport au pays à chaque fois qu'on va. Je me change. Et en plus on a un verrou à côté, donc je pense qu'il faut s'habiller soit en japonais, en samouraï ou l'autre. Et je pense que samouraï c'est le mieux. Ouais, et puis il habille en samouraï lui. Merci monsieur. Alors ça ressemble à quoi? Ok. Oh, trop beau! Ah, c'est trop bien fait, les amis! Eh, je suis amoureux, là. Je suis amoureux du style. Ça va, j'avais peur qu'on pouvait pas revenir au-dessus du champignon. Donc c'est bon. Deux lunes gratos, bien. Bon, c'était trop simple et trop bien. Deux lunes pour le prix d'un. Merci monsieur. Franchement, c'était trop kiffant. Oh, des belles statues de Bowser en or. Ouais, s'il y a deux plateaux, c'est qu'une statue, ça fait un combat. Il doit y avoir un combat de boss par statue. C'est ça. Fallait s'en douter. Ouais, Minus, le mariage sera célébré incessamment sous peu. Le patron se prépare dans le donjon, là-haut. Et vous deux, ben, vous pouvez vous brosser. Vous n'êtes pas invités, ok? Ah, la tarée. Ok. Donc, elle, oui, c'est la tarée de service, hein. Faut pas se mentir là-dessus. Faut pas se mentir là-dessus. La meuf est tarée. Tu vas arrêter de tout exploser partout, non? Parce que là, tu te prends un peu pour une soucoupe volante, ma grande.
Ok. Allez, bouffe ça. Elle est tarée de ouf, cette meuf. Enfin, cette lapine. T'as des chaleurs, non? Parce qu'il fait un peu chaud ici. Ah merde. Je pensais sauter et j'ai pas sauté. My bad. Merde, j'ai cru que j'avais bien lancé. Oh merde, ça m'a tué! Parce qu'il a tournoyé! Mais non, putain, je perds à la fin alors que depuis le début je gère tout. C'est abusé. Putain, on voit encore les pièces que j'ai perdues comme un con. Ouais, tu sais quoi? Je me permets de récupérer les pièces que tu m'as fait perdre. Hein. Alors qu'en plus je gérais depuis le début. Et là j'ai fait le caca à la fin, c'est dégueulasse. J'ai fait de la merde à la fin. J'aurais pas cru que ce qui tournoyait m'aurait fait un peu de dégâts. Et au final, si. Bon, c'est logique, hein. Mais j'ai pas réfléchi à ce coup-là. Allez, fais tournoyer tes grosses boules là. Voilà. Ah, j'allais dire, si en plus je te chope pas là, je suis dégoûté. Ok, donc elle met une bombe là. Trois bombes là. Une bombe là. Une bombe ici. Trois bombes ici. Ok. On va passer plus vers la gauche, c'est là où ça a pu exploser. Ou en premier. Allez. Les deux statues, c'est bien deux combats de boss. Oh non, elles sont cassées. Ah ouais, ça me fout les boules par contre de les casser, elles sont belles. Bon bah tant pis. Allez, il en reste plus qu'un. Le patron disait vrai, vous êtes encore plus collant que des limaces sur une feuille de laitue. Mais cette fois-ci, au nom de tous les broudales, je vais vous faire ravaler l'envie de continuer à nous suivre. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah oui, c'est vrai qu'il faut lui virer ses... C'est vrai que lui, c'est la simplicité, lui. Enfin, dans le but... Simplicité, dans le but que... Dans le truc... Mais il était trop facile! Fallait juste le focus, quoi. C'était hyper simple! Faut arrêter là!
Même l'autre, elle était pas compliquée, vraie, elle était pas vraiment dure, quoi. Sauf que j'ai fait de la merde. Et là, lui, franchement, il était hyper simple. Allez, on récupère, ça fait des pièces. Nickel. Le ballon de débourdal. Hyper simple. Franchement, là, j'ai rien d'autre à dire. Grabuge au château de Bowser. Oula, là, je pense que c'est le dernier monde. Enfin, le dernier monde. Le dernier truc à faire. Là, ça tout en haut. La cour principale, enfin. Ouais, j'ai vu ça. Là, il y a de l'eau. Est-ce qu'on peut rentrer dedans, l'eau? Ouais, donc déjà, on peut rentrer. Il y a quoi en bas? Ah! Bon, bah déjà, c'est bien. Une lune gratos, hein. Eh, c'est moi ou il m'attendait juste derrière? Non, non, c'est bien ça. Il m'attendait juste en dessous. Ah, ça a quelque chose, au moins je le prends. Ouais, c'est bon. S'ils sont là, c'est pas pour rien. Ok, la lune était juste dans un seul sens. Il y a vraiment qu'une certaine surface qu'on peut prendre. Ok. Pour l'instant, ça se passe bien. Toi, dégage. Merci, au revoir. Il y a quelque chose en bas? Non. Là, par contre, on aurait pu casser ça, comment? Ouais, parce que ça, on peut pas y accrocher. Non. Vraiment, ce qui est métal, en fait, on peut pas attacher. Ok. Là, en dessous, il y a... le... on va dire le... la zone mortelle. Ok. Donc ça, c'est la zone mortelle. Ok, je vois le truc. Par contre, il y a des drapeaux qui volent. C'est logique, ça. Ouais, en fait, là, ici, ça sert à rien. On va être honnête. Juste à récupérer les... putain, les pics, quand on pique le... ok, non, j'ai fait de la merde. Ouais, en fait, faut vraiment piquer et être patient. Faut pas se précipiter. Je vois le truc. Ok, bon bah s'il faut que je prenne mon temps, je prendrai mon temps, puis... voilà quoi. Pas de soucis. Bon, par contre, lui, le pété, je sais pas quoi ça sert au final, mis à part peut-être à gagner des pièces. À moins que ça débloque un truc. Mais bon, ça récupère des pièces. Après, au final, après quoi d'autre, qu'est-ce que ça donne, je ne sais pas.
Mais non, mais pourquoi je suis tombé? J'ai piqué. J'ai pas compris là. Là, j'ai appuyé sur la touche piquer. Il a pas voulu piquer. Il est débile. Bon, on va essayer de pas le péter le truc. Lui, on va essayer de pas le péter. Voilà. Je vois pas à quoi clairement ça sert, hein. Y a pas d'animation comme quoi ça fait quelque chose. Donc clairement je vois pas. J'allais dire, je sais pas comment je fais pour rester accroché, mais je reste accroché. Bon bah voilà. Le pied du dojo. Allez, let's go. Ah, Bowser est là. Bowser, rends-nous pitch. Ok, là ça veut dire Dridrit t'as fait de la merde. C'est juste ça? Attends, on a déjà défoncé un Broudal là, non? Ça va. Ils ont pas l'air d'être compliqués pour le moment. Bon après c'est les Broudal, mais bon, faut pas se fier aux apparences. Ok, pour l'instant ça va, ça passe. Mais bon, il en reste toujours deux. Oh. Ah, ils sont vénères. Donc il reste deux Broudal. Ils les cassent eux-mêmes aussi.
Nice. On a géré là. On a géré. Là, on a géré les mecs, franchement. Bon, espérons que la fin n'est pas trop casse-couille. Mais bon, c'est bon, il casse ses propres... Il casse ses anneaux. Il a cassé ses propres anneaux. Ouais, faut pas que j'aille trop loin, parce que si je vais trop loin, en fait, bah, ce qui se passe, c'est que... Comment j'explique? Bah, c'est que les bombes, je ne peux pas les renvoyer. C'est ça le souci. Faut qu'il écrase ses anneaux. Voilà, il a écrasé ses anneaux. Nickel! Oh! J'ai eu de la chance. Il allait remonter. Oh, trop beau! On voit les broudales en mode feu d'artifice et tout. Oh, je kiffe, je suis fan. Allez! On a gagné. On a dû affronter au moins deux fois chaque broudal, plus le broudal en mode robot. Grabuge au château de Bowser. Bah voilà. C'est tout bon. Tout nickel. Cette crapule de Bowser a mis les voiles vers la lune, alors qu'on était à deux doigts d'un doigt de lui mettre la main au collet. Mais rien n'est perdu, on peut le rattraper avec l'Odyssée. Lance-moi sur le globe. Bon, bah les amis, nous, on va se laisser là. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et puis, bah, on se retrouve pour la suite et peut-être même le dernier épisode si on va devoir affronter Bowser sur la lune. Ciao ciao Mina.